Quelqu'un sera félicité de traducido por José María Iván, que no es francés, pero que es francés de corazón también, ¿no? Mexicano de corazón. Ah, magnífico. Entonces va a traducir esto, una entrevista cruzada, más o menos de media hora, y después un intercambio con ustedes. Bueno, les dejo. Juste une question sur la genèse du film. Olivier a écrit un livre qui s'appelle Une jeunesse après-mère. Une adolescence après-mère. Qui était un récit autobiographique. La question c'est pourquoi tu as eu besoin de raconter ça sous forme de récit écrit, et deux, est-ce que tu as pensé qu'un jour ça deviendrait la matière d'un film qui pourrait être éventuellement un film? Je vous parle bien. La première pregunta de aquí es que, en cuanto a la génesis de la película, Afroné, la que se presentó ayer, Olivia ha escrito un libro que se llama Adolescencia después de mayo. Entonces la pregunta que se le hace es ¿qué necesidad tuvo él? Sintió él primero hacer un relato escrito, y si ya entonces él pensaba que esto podía ser el punto de partida de una película. J'ai peut-être ça à voir avec, j'imagine, le besoin que j'ai régulièrement par l'écriture de réfléchir sur ce que je fais, à la fois plutôt à mon usage que destiné à la publication. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où, au début des années 2000, disons, où j'avais le sentiment de, au fond, de plus bien comprendre ou bien la personne que j'étais, ou bien à quoi ressemblait l'époque durant laquelle je suis devenu cinéaste, et le chemin par lequel en fait il y a un déclic qui s'est fait et par lequel j'ai commencé à faire du cinéma. Quizás tiene que ver esto con la necesidad que tengo yo regularmente de, por medio de la escritura, hacer una reflexión propia no destinada a la publicación. Al principio de los años 2000 yo tenía la sensación de no acabar de entenderme a mí mismo, o no entender la época que en su momento me hizo volverme cineasta. Et je pense que ça a à voir aussi avec la rencontre à cette époque-là de la personne à qui ce texte est dédié, qui est Alice Debord, qui est la veuve du philosophe français Debord, dont la pensée, dont la théorie m'avait extrêmement influencé, profondément influencé. Et j'avais le sentiment, en rencontrant Alice, en communiquant avec Alice, en parlant avec Alice, tout d'un coup de rejoindre quelque chose que j'avais peut-être rêver ou imaginer ou fantasmer dans mon adolescence. Et en fait, il s'agissait à l'époque d'arriver à combler le vide, de combler le creux entre le cinéma tel que je l'avais pratiqué et l'idéalisme révolutionnaire, la radicalité qui était ce qu'il y avait au fond défini mon adolescence. Y tiene que ver también esto con el encuentro que cuando conoció a Alice Debord, que era la vida del filósofo Debord, cuya teoría le había influido profundamente. De alguna manera vino a plasmar, vino a realizar un sueño, un fantasma que tenía de adolescencia, y vino a colmar un vacío entre el cine, tal como él lo había practicado, y una especie de idealismo revolucionario en sí. Et donc, ce texte à l'époque relevait d'une sorte de réconciliation avec moi-même, et au fond d'une remise en perspective de ma pratique du cinéma qui a été essentielle pour moi à ce moment-là. Et disons que la publication, qui a eu lieu littéralement, je ne sais pas, 3 ans ou 4 ans plus tard, n'a été qu'au fond une sorte de produit dérivé du travail de réflexion que j'avais fait à l'époque. C'est pour ça que
Au fond, ces idées sont restées en moi et sans doute attendaient-elles de trouver une forme dans laquelle elles pouvaient s'incarner, se représenter au cinéma. Entonces el texto en cuestión pues fue una especie de reconciliación, constituyó una reconciliación consigo mismo y al mismo tiempo le ayudó a dar una perspectiva a la práctica de su cine, ¿no? Tal como él la practicaba, y eso para él fue lo esencial. La propia publicación de este texto 3 o 4 años después pues vino a ser una especie de producto derivado de ese trabajo. Las ideas que estaban ahí plasmadas en ese texto quedaron dentro de él y sin duda esperaban el momento de pasar al cine. Donc, les films, on les fait toujours au présent. Et après Metz, c'est un film que j'ai fait au présent, avec des jeunes gens d'aujourd'hui, et au fond, dans une sorte de dialogue avec le Metz d'aujourd'hui. Donc, si j'ai eu besoin de faire ce film aujourd'hui, c'était aussi d'abord revenir à un travail avec des jeunes, parce que pour moi, le cinéma est lié à la jeunesse, enfin, il est lié à cette énergie-là, et en même temps, il est destiné à ce public-là, qui est le public de cinéma majoritaire, principal. Voilà, après Mai, un film qui est né, encore une fois, d'abord le désir d'aller vers la jeunesse, et au fond, le fait d'aller vers la jeunesse a ramené, a refait vivre une réflexion sur le cinéma et le passé, qui est quelque chose qui me préoccupe, qui me travaille depuis maintenant. De todos modos, las películas, dice David, se hacen siempre en tiempo presente, ¿no? Y en este caso concreto, él la quiso como hacer en diálogo con los jóvenes de hoy. Pero para él era, de alguna manera, también volver a ese trabajo con los jóvenes, que para él siempre ha sido algo como prioritario, esa fuerza, esa energía de los jóvenes, ¿no? Este deseo es lo que ha marcado esta película y al mismo tiempo la reflexión para él fundamental. Algo que le preocupa mucho, que es entre cine y pasado. Y hay una fuerte tonalidad autobiográfica en el film. Eduardo señala que la película tiene un fuerte tono autobiográfico, entonces pregunta cómo se conjuga eso, ¿no? Ese tono, esa autobiografía en el texto con el hecho de luego rodarlo y pasarlo grabado. Bah, disons que, contrairement, enfin, non seulement à l'idée reçue, mais presque le lieu commun, enfin, c'est que le cinéma n'est jamais autobiographique. Le cinéma ne peut pas être autobiographique. Contrairement à la littérature, à l'écriture, dans l'écriture, on peut produire un texte, c'est-à-dire qu'on part d'un sentiment, d'un souvenir, puis on creuse, jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver la vérité, la réalité de l'instant vécu. Au cinéma, c'est littéralement l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un sentiment, d'un souvenir, et au fond, il se dilue dans la pratique, il se dilue dans le cinéma, il se dilue dans le fait qu'il faut écrire un scénario, qu'il faut écrire des dialogues, et même si, comme dans Après Mai, on cherche à épurer le plus possible, à retirer tout ce qu'on peut d'éléments de ressort dramaturgique, etc., il demeure tout de même quelque chose qui ressemble à une dramaturgie, et cette dramaturgie, elle est par essence d'une nature parfaitement différente que pour être l'autobiographie. Et c'est pour ça que il y a toujours cette espèce de manière de parler au fond du cinéma spécifiquement français à la première personne, et on dit le cinéma français est nombriliste, enfin c'est une expression toute faite qui m'horrifie, parce qu'elle est exactement à l'inverse de ce qu'est la vérité du cinéma. Même si on voulait être nombriliste au cinéma, on ne pourrait pas l'être. Dans le sens où le simple mouvement de tourner, de filmer, de réunir une équipe et d'en faire un film qui fatalement va être éloigné de l'intuition première, et c'est un mouvement qui est absolument à l'opposé de cette idée-là. Él considera que el cine nunca puede ser algo autobiográfico, contrariamente a la literatura, donde efectivamente tú puedes partir de fuera para ir llegando al fondo de ti mismo. En el cine el proceso es exactamente el contrario, debe ser lo contrario. Tú partes de ti para ir al revés propagando, abriéndote al exterior, y la dramaturgia es entonces completamente distinta a lo que sería la lógica autobiográfica.
nos repita la idea esta del cine francés contada en primera persona y que luego pues es un cine que se mira al ombligo. Dice que realmente es el movimiento opuesto totalmente a lo que debería ser. Moi, ça s'est vraiment matérialisé de façon très claire dans le processus de la fabrication du film. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je me disais, mais en fait, je vais faire une sorte de saga, je vais faire une sorte de fresque des années 70, on va suivre les destins, etc. Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que justement, c'était dans le dialogue, dans ce qu'il pouvait y avoir éventuellement de sentimental dans le dialogue, dans le dialogue amoureux, que je m'éloignais en fait de ce dont j'avais envie de raconter, que je faisais des choses qui rétrécissaient le film, qui les ramenaient à des repères à la fois personnels et conventionnels. Et en fait, donc, j'ai passé mon temps à comprimer le film, hein, enlever le dialogue, à rayer, jusqu'à arriver à quelque chose justement où le dialogue a le même rôle que dans mon film précédent, Carlos, où les gens ne se parlent que pour dire l'essentiel, enfin, parce qu'il s'agit c'est comme un film d'espionnage, où les gens disent le minimum de ce qu'ils ont à dire. Esto lo tuvo muy claro en la fabricación de la película. Los ojos míos fue quizás construir una saga, grandes destinos y tal. Y luego, ¿no?, poco a poco se dio cuenta que en los diálogos, y sobre todo en la parte sentimental y amorosa, en los diálogos le alejaban precisamente de lo que él quería hacer y se pasó el rato comprimiendo esos diálogos para llegar a que solo dijera lo esencial. Como le pasó también con la película Carlos y como dice que pasa en las películas de espionaje, que solo dicen lo mínimo, ¿no?, lo esencial. Et en fait, je suis arrivé à un scénario qui était beaucoup plus court que ce que j'imaginais, beaucoup plus condensé, et qui en fait ne s'est en fait déployé, et enfin même, il me semblait même trop court d'une certaine façon. Et en fait, c'était un scénario qui s'est déployé au moment de la préparation du film. C'est-à-dire quand j'ai compris que dans la représentation de l'époque, dans les scènes collectives, manifestations, concerts, ce qu'on dira, il y avait quelque chose de ce que j'avais envie de raconter qui était aussi présent qu'à travers les trajectoires singulières de l'un ou l'autre personnage. Du coup, j'ai eu le sentiment justement, alors vraiment de façon très explicite, quoi, de partir d'un point qui pour moi est un point de vérité, quoi, de vérité, qui est mon souvenir, ce que j'ai vécu, etc., pour en faire quelque chose qui devient, on va dire, générationnel, en collectif. De tal manera comprimió todo lo que era lo que iba escribiendo, que el guión le quedó más corto y condensado, incluso demasiado corto, más corto y condensado de lo que él quería. Y se fue desplegando en realidad en la preparación de la película, cuando empezó a trabajar la recreación, ¿no?, lo que era la reconstitución de la época, las manifestaciones, los conciertos. Y se dio cuenta que había cosas que él quería contar que no pasaban precisamente por los personajes, sino también por ese marco que él iba desarrollando en la preparación de la película. Supongo que me parece autobiográfico. Sobre lo cual la película es perfectamente autobiográfica. Pero cuando se presenta, es un poco contrasando Carlos, ¿no? ¿Cómo puede decir eso? Es decir, que Carlos es un público, il n'est pas venu, parce que quand il y a un moment où il passe à l'action terroriste, il y a presque une accroche historique contemporaine avec Carlos. Oui, elle dit que de toutes manières, il me paraît que cette película peut être un peu le contraplano de Carlos, parce que quand se instaure la logique terroriste, vuelve à instaurer exactement dentro del marco presente. ¿No? Oui, bien sûr. Enfin, si tu veux, quand j'ai fait Carlos, je l'ai fait d'un point de vue de ce autre perspective qui est une perspective historique. C'est-à-dire, c'est un film où on peut dire qu'il regarde les années 70 depuis l'année 2010 quand je l'ai fait, c'est-à-dire avec en remettant les événements dans une perspective qui aurait été impossible à l'époque, celle de la fin de la guerre froide, celle de la géopolitique de cette époque-là. Comment dire, avec
l'idée qu'il existe une sorte de temps présent de l'histoire. C'est-à-dire que je fais Carlos littéralement au premier moment où il est possible de raconter l'histoire de Carlos, au point où il y a des éléments essentiels du récit qui sont devenus accessibles littéralement alors que le scénario est déjà terminé. Donc j'ai dû les ajouter, ce n'est pas des choses sans importance, puisque il s'agit de l'autobiographie de Magdalena Kopp. Bueno, Carlos de todas maneras era él la concibió como en perspectiva histórica, ¿no? una mirada de los años 70, pero desde 2010, con una perspectiva que entonces, en el momento en el que ocurría en los años 70, era imposible tener. Era la época del final de la Guerra Fría, era una situación geopolítica muy, muy concreta. Él considera que Carlos está contando el tiempo presente. Y es el primer momento, el primer momento en el que se puede contar esa historia con unos elementos incluso que llegaron cuando ya la historia ya la tenía construida y que se añadieron en el último momento, ¿verdad? Concretamente a partir de la autobiografía de Magdalena Kopp. J'ai le sentiment que le moment où j'ai regardé c'était littéralement le premier moment où on pouvait raconter l'histoire de Carlos, où on pouvait le faire en dehors de l'idéologie, et où on pouvait le faire en s'étayant sur un maximum de faits et un minimum d'hypothèses. C'était là, de ce point de vue-là, il y avait vraiment, j'étais un peu obligé pour raconter ce film-là, de me placer explicitement dans cette position historique. Insisten que Carlos fue realmente el primer momento en que se podía contar esa historia, esa impresión profunda que tenía, o hacerlo en todo caso más allá de lo que sería la ideología, con hechos y no con hipótesis. Y fue una gran parte del plaisir que j'ai eu a hacer de Carlos, tenait à cette familiarité que j'avais avec le monde des années 70, c'est-à-dire que autant l'histoire de Carlos n'a heureusement rien à voir avec la mienne, le monde dans lequel il a vécu est un monde qui produisait en moi un sentiment de familiarité. Et j'ai presque envie de dire que s'il y avait de l'autobiographie, pour répondre à Edouard, dans Carlos, cette autobiographie, elle était dans le papier peint, quoi. Enfin, elle était dans le décor. Gran parte del placer que él sintió haciendo Carlos venía de la familiaridad que sentía con los años 70. No es que él hubiera vivido lo que vivió Carlos, pero sí que su mundo, su universo le era familiar. Y por verlo al término de autobiografía que había manejado Eduard, en el caso de Carlos, esa autobiografía, ese dato autobiográfico, estaba sin duda reflejado en el papel pintado, ¿no? En el marco de la película. C'est vrai qu'à la fin de ce film qui raconte beaucoup de choses, je restais quand même avec une sorte de frustration de quelque chose qui n'avait pas été raconté et qui était ce que j'avais vécu moi, la façon dont j'avais traversé, survécu aux années 70, avec évidemment une perspective qui est littéralement l'inverse, le contre-champ, enfin, de Carlos. Dans le sens où j'ai vécu ces années-là justement sans perspective historique, pris dans le cadre de ces années, et avec évidemment, engagé dans les conflits, dans les contradictions de l'époque, mais néanmoins partie prenante de ce qui pouvait y avoir d'idéalisme, de foi dans le futur, hein, qui était là. C'est la définition même de l'époque, qui évidemment est l'opposé du cynisme de Carlos. Y al final de Carlos, efectivamente, pues sí que se quedó frustrado en una cosa concreta, y era que en realidad no contaba lo que él, no había contado lo que había vivido él en sus años 70, ¿no? Y que en ese sentido sí que puede ser el contraplano de esta película de lo que fue Carlos, era la inversa, era otra vivencia totalmente diferente, ya que él vivió sus años 70 pues sin perspectiva histórica,
comprometido con conflictos y contradicciones de la época, pero, y sin ese cinismo que podía contener la película. Muy profesional. Oui, oui. Et donc de passer en effet d'un personnage public à des personnages privés. Oui. Et ce contraplano en après-mai se ve ya en el propio reparto de la película, ¿no? En las opciones de reparto, al haber optado por actores no profesionales y de alguna manera pasar del plano público que puede ser el Carlos a este plano más privado. Évidemment, il y avait ce dont je parlais avant, c'était en fait ce désir aussi de revenir à quelque chose de. Je sais pas si je parle bien dans le micro. Il y avait ce désir de revenir effectivement à aussi un rapport avec la jeunesse. C'est-à-dire, autant j'ai adoré faire Carlos, mais il y avait ce rapport aussi, il y avait quelque chose qui était explicitement dans le passé, il y avait quelque chose qui, puis avec une certaine dureté, de violence. Dans les rapports, j'avais, je pense qu'il y avait quelque chose du rapport à ce qu'il y a de vierge, de spontané dans la jeunesse qui me manquait. Mais il y a, au fond, du point de vue du rapport avec les acteurs, c'est pas sans correspondance, pas sans relation, parce que dans Carlos, j'ai vraiment utilisé des acteurs. Des acteurs et des non-acteurs mélangés indiscernablement, ou des acteurs, souvent, et puis des acteurs venant de cultures complètement différentes, d'expériences complètement différentes, et que j'essayais tous de ramener sur la même longueur d'onde. Et comme j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, et qu'au fond, ça a marché, contre toute attente, ça m'a donné au fond une sorte de confiance. Dans le fait de m'appuyer sur un film qui est quand même compliqué, un peu cher, etc., sur des gens qui avaient mis avant, j'avais mis une caméra avant de m'appuyer. Existía también, efectivamente, el deseo de volver decía antes, ¿no? a una relación con la juventud actual después de ese Carlos en el que se hablaba del pasado, las relaciones y las dudas entre ellos, ¿no? La dureza de las relaciones. Él quería volver un poco a ese lado virgen, espontáneo que pueden tener los jóvenes y que le echaba en falta. Dicho lo cual, la relación con los actores, hay cierta lógica, tiene que ver Carlos con esta, puesto que en Carlos él había mezclado actores con no actores, actores que vienen de horizontes, de culturas y de experiencias muy diferentes, y a ver que había funcionado eso incluso de manera inesperada en una película tan cara, le dio confianza para luego ir más allá y abordar como abordado Abgenio. Sinon, on a parlé d'autobiographie du roman d'une génération, mais je trouve que le film est aussi, non pas autobiographique, parce que c'est pas le mot, mais vous y êtes senti plus que dans d'autres, tous les éléments qui te sont chers, c'est-à-dire la musique, la peinture, la machine à écrire, pour écrire le film, c'est important, l'arrivée du cinéma par la machine à écrire l'écriture et le studio. Donc c'est moi aussi que très clairement on voit tous ces éléments qui sont très chers. Él no sabe, Charles dice que no sabe si es autobiográfica o no, tal como lo han estado definiendo, pero sí en cambio que esta película también recoge elementos que le son a él muy, muy queridos, ¿no? Como es la música, el cine, las películas, la propia máquina de escribir o de reescribir. Oui, alors c'est difficile de répondre parce que c'est un terrain en fait très fragile. Disons que souvent, quand je me suis retrouvé à raconter mon itinéraire, mon chemin vers le cinéma, j'avais constamment un sentiment de singularité absolue, de bizarrerie, parce que j'avais le sentiment de toujours être obligé de d'expliquer, d'expliciter un trajet qui serait extrêmement bizarre ou neuf par rapport à celui de la génération précédente. Et j'ai l'impression, j'ai eu le sentiment que ça tenait en grande partie au fait que c'était la génération précédente qui avait raconté l'histoire. Et que donc, au fond, que je passais mon temps à me justifier ou à me définir par rapport à une époque qui n'était pas la mienne. Et que, au fond, peut-être,
mon histoire à moi n'était pas si singulière que ça, si elle était tout simplement mise dans son contexte, qui était celui du présent et de l'histoire de ma génération. Et de ce point de vue-là, il y a, à travers aussi bien le livre qu'à travers ce film, une manière presque de réappropriation de notre temps, c'est-à-dire une manière de dire je ne suis pas en rupture avec une histoire antérieure, y compris d'ailleurs celle des cahiers du cinéma, etc. Mais je trouve juste que je suis synchrone d'une autre histoire, mais qui n'est pas si paradoxale, si étrange, elle est au contraire extraordinairement inscrite dans l'aventure collective d'une génération qui était la mienne. Et bien, il y a de la nôtre. Es un terreno un poco frágil. Dice que cuando él se ha visto la tesitura de contar su propio itinerario, tenía la sensación de cierta originalidad, de ser un bicho raro, de tener que ser algo nuevo, de aportar algo nuevo con respecto a la generación precedente que ya había contado su propia historia, como si él de alguna manera tuviera que rendir cuentas, ¿no? Y de alguna manera esta película y su propio interior es también reapropiarse de su tiempo de manera colectiva, sin que necesariamente haya una ruptura con la generación anterior o con el tiempo anterior, ni con su propia historia anterior, como es el haber escrito en Calle y Cinema antes de dedicarse al cine. De alguna manera, reapropiarse de esa ruptura colectiva. Y d'ailleurs, il y a un lien dans un des thèmes du film, du cinéma, c'est-à-dire. Quelle sorte de cinéma faire, cinéma militant, cinéma d'avant-garde, je pense que qui est très présent dans Après-midi. Il y a sa rubée à la fin. Oui, le cinéma. Dice que uno de los vínculos y que está muy presente en la película Pené es precisamente la presencia del cine, ¿no? De qué cine hace, cine militar, qué cine hace. Y menciona la película la mención al cine de serie B. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait d'une part, enfin, comme dans la société d'alors, dans la jeunesse d'alors, c'est ce tiraillement à la fois d'un côté vers la contre-culture, de l'autre vers le gauchisme. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un débat qui était celui du cinéma gauchiste, enfin, autour du cinéma militant, qui était très présent, qui était reflété, je parlais des Cahiers, qui était reflété exclusivement dans les Cahiers, mais il y avait d'autres hypothèses du cinéma qui semblaient à un jeune homme d'alors tout aussi radical, mais d'une nature différente, effectivement, ce qui pouvait attirer vers le cinéma expérimental, vers des formes marginales, comme en effet la dérivée. Donc au fond, dans le film, j'essaye aussi d'établir une sorte de cartographie symbolique du cinéma de cette époque-là, des différents pôles, comme autant de normes magnétiques, comme autant qui pouvaient attirer un jeune homme. Efectivamente, él cree, bueno, pues que la sociedad de ese momento estaba, los jóvenes se sentían un poco entre varios polos, ¿no? Por un lado estaba la contracultura, por otro lado lo que sería la militancia izquierdista, y así mismo se reflejaba dentro de Calles, pero también había otras opciones diferentes y igual de radicales, como podía ser el cine experimental, la propia serie B. Él ha intentado hacer una especie de cartografía con las diferentes opciones, los diferentes extremos, o polos, vamos, que podía interesar en ese momento a alguien joven. On peut même se demander si ces différents pôles sont pas disposés d'une manière qui est historique aussi, c'est-à-dire il y a d'abord le débat entre les avant-gardes et les cinémas militants, et puis la résolution dans l'enchaînement. Oui, enfin, Él dice que se pregunta si estos pueblos no están dispuestos incluso de manera histórica. Están, por un lado, las vanguardias, por otro lado está el cine militante y se acaba resolviendo bastante con la serie B. C'est-à-dire qu'il y a, si on rentre dans cette matière-là, il y a un premier film qu'on voit qui est un film de Bo Widerberg, qui est Joe Hill, et qui pour moi, d'une certaine façon, d'emblée résout les contradictions, parce que c'est un film qui est à la fois un film engagé, un film politique, un film qui exporte, y compris la révolution, enfin, dans le sens où c'est un film qui inscrit, enfin, ça c'est pas présent dans le film, je l'explicite, enfin,
qui représente au fond un révolutionnaire suédois qui traverse le territoire des États-Unis pour devenir une icône de l'anarcho-syndicalisme américain. Bueno, la primera película que se ha puesto en la película es Joe Hill de Paul Biederberg, que resuelve de alguna manera todas estas contradicciones, porque es una película controvertida, es una película militante. En el fondo es un revolucionario sueco que atraviesa, que cruza Estados Unidos para convertirse en un icono del anarcosindicalismo, ¿no? Et donc, c'est un film qui est l'œuvre d'abord d'un très grand cinéaste et qui est inscrit dans quelque chose, dans la nature, quoi, dans une sorte de rapport élégiaque à la nature, qui est une chose qui est très belle dans l'œuvre de Paul Biederberg. Et donc, au fond, ce rapport à l'art, ce rapport à une forme de beauté, au sens, pas au sens d'une beauté fabriquée artificielle, mais de la beauté du monde, ce rapport entre la politique et la beauté du monde, il est résolu dans ce film. Que Gilles voit sans comprendre, enfin, d'une certaine façon. Il aime sans doute le film, mais enfin, sans doute qu'il ne voit pas encore à quel point le film peut répondre à certaines de ses questions. Y la obra, que es una obra de un gran cineasta, está inscrita en la naturaleza misma, esa relación que tiene profunda con la naturaleza, la relación con el arte, la belleza del mundo y con la belleza del mundo. Todo esto está resuelto totalmente en esta película, que a Gilles le gusta mucho, aunque no acabe de ver seguramente toda esa actitud, ¿no? Y dicen que à l'autre bout du récit, faut juste expliciter au fond pour moi le statut quoi de la représentation d'un tournage de série B. En l'occurrence, c'est un film de Kevin Connor qui se tournait le 7e continent de l'Inde, enfin, qui de fait se tournait à Pinewood, à la manière où je l'y trouvais. C'est pour moi, c'est disons que le travail. Salarié dans un studio, pour moi, c'était un peu comme l'usine. C'était un moment où mon attirance, c'est comme si mon attirance vers le cinéma m'avait amené à l'usine. Et autant j'étais attiré par ce qui se passait à l'extérieur, par le monde qui était en train de changer, etc., j'avais l'impression à l'intérieur du studio de vivre dans un monde qui était celui du capitalisme. 19e siècle, qui pratiquait un cinéma qui était celui de nos grands-parents. Et donc, évidemment, il y avait ce tiraillement, ce malaise. Alors après, j'étais capable de voir ce que je le roman feuilleton, le d'enfantin, mon rapport à cette matière-là du cinéma, j'en voyais bien la beauté. Enfin, j'en voyais aussi l'aliénation. Al otro lado, en otro extremo del relato, pues está ese rodaje de serie B, Kevin Connors, en el séptimo continente. Está ese trabajo asalariado, ¿no? En un estudio que es como un trabajo en una fábrica, ¿no? Esa atracción que él ha sentido por el cine le llevó a esa atracción también por el trabajo dentro de una fábrica. Fuera estaba el mundo y dentro del estudio era una práctica industrial del pasado. Veía al mismo tiempo la belleza que eso entrañaba y al mismo tiempo la alineación que comportaba, ¿no? Voilà, c'est pour ça que c'est une sorte de témoignage de mon amour de l'industrie du cinéma, de représenter le studio envahi par des nazis. Y ahí que sea como un testimonio de su amor por el cine, aunque sea un universo invadido por los nazis. Et donc, au fond, le moment où Gilles finit par accéder au cinéma, par comprendre le cinéma, c'est quand il va voir quelque chose qui est un film extrêmement élémentaire, simple, expérimental, où revit, où le cinéma donne la résurrection à la fille qu'il a aimée. Quoi. Et donc, tout d'un coup, il comprend que le cinéma, il peut lui parler à lui, à la première personne, directement, de façon intime, et que c'est peut-être le point de départ de cet art-là, comme de n'importe quel autre. Y por eso que también el momento en el que Gilles accede al cine es un momento totalmente sencillo, es un momento experimental en que muestra que puede resucitar la mujer a la que quiere.
Oui, sí. Hay quizás preguntas ya en la sala o alguna cuestión. Allá atrás veo una mano que se levanta. La revista por el Club de Ciudad Política y de la Agencia Informativa de Michoacán. Mi pregunta es para Olivia, que considera un poco el teatro mismo, que dentro de la temática y la situación política del país, viviendo la situación que se vive en Europa. Sé que es de años 70, pero para la edición, para el rodaje, siempre las situaciones políticas pueden ser complejas. Entonces, quisiera saber si tuvo algún problema con la política, su guión o su rodaje. La cuestión que pose, si yo bien así dice, pas que efectivamente lo comentaba ahora mismo, es todo complejo. Sería que el film se pague en los años 70, pero es que reproducir esta situación, tourner dans ce contexte-là, situation politique qui concerne le pays, qui concerne l'Europe, ça pose des problèmes et des problèmes. Bah, disons que... non, ça ne m'a pas posé des problèmes, on va dire, du point de vue politique, de difficultés matérielles de tournage. Ce genre de questions ne se pose pas, en tout cas comme ça, du tout en France. Et dans ce film-là, donc, si je comprends bien la question, l'élément du terrorisme, bon, est traité de façon extrêmement, disons, métaphorique, enfin, c'est dans le sens où c'était présent, c'était une des tentations qui était là. Hein. On voyait bien que cette idée du passage à un nouveau stade de l'engagement et de la lutte était une hypothèse qui existait autour de nous. Mais en France, elle a été largement moins extrême, infiniment moins manifestée que dans d'autres pays européens, sans comparaison. Non, disons que la question, c'était plutôt d'arriver, puisque j'essayais de dire, enfin, quelquefois j'ai voulu faire ce film au présent, de fond, la question c'était de savoir si ces idées-là, si ces choses qui ont été vécues par cette génération-là, à cette époque-là, pourraient avoir aujourd'hui un écho, si ça a un sens, s'il y a quelque chose dans cette histoire-là, qui a un intérêt à être transmis à des jeunes gens qui aujourd'hui se reposent à nouveau la question de l'engagement. Bueno, problemas políticos o problemas de índole material, pues no, porque en Francia no hay ese tipo de problemas. El terrorismo está tratado en la película como casi metafórica, ¿no? Está presente como una tentación que existía en ese momento, pero como una tentación de dar un paso más en el compromiso personal y político de los jóvenes, pero que se manifestó seguramente de manera más fuerte en otros países europeos que en Francia. La cuestión para Olivier era, tal como decía antes, ver si esas ideas de la época seguían teniendo vigencia y seguían teniendo un sentido para los jóvenes de hoy en día. La segunda pregunta sería, ¿qué los criterios que tuviste para editar la miniserie, la película del mismo título? Oye, había sobre el film Carlos, donc, la cuestión, la primera, es que son los criterios que te aporté a choisir de Pedro Ramírez, y ensuite la segunda cuestión, ¿por qué haber hecho esos dos formatos, el film y en serie? Disons que alors,
J'ai envie de dire que Edgar Ramirez, il s'est invité tout seul dans le film, quoi. Enfin, Edgar, il y avait une évidence absolue tout de suite, y compris enfin, dès notre rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, on cherchait un acteur vénézuélien pour incarner un personnage vénézuélien. Il y avait question d'âge, il y avait question de présence physique, il y avait question de familiarité avec plusieurs langues. Et miraculeusement, Edgar répondait tout de suite à la totalité de ses paramètres. Et en plus, quelqu'un de au-delà d'être un grand acteur, quelqu'un de très au fait de la politique, et de la politique de cette époque-là, pour lui, interpréter un personnage comme Carlos n'était pas juste faire un travail d'acteur, c'était de faire avec moi un travail de réflexion sur le personnage de Carlos et sur l'engagement politique des années 70. Donc c'est vrai qu'il apportait quelque chose de très important au film. Edgar, c'est un peu mythique. Fue que encontraron la evidencia absoluta. Los parámetros, pues hombre, buscaban un actor venezolano, había una cuestión de edad, una cuestión de físico, de facilidad de idiomas, y Edgar respondía a la totalidad de todos esos, de todas esas necesidades. No solo es un gran actor, sino que es que además está muy al tanto de la política y de la política de los años 70, con lo cual es que lo tenía todo. Et donc après, pour ce qui est des doubles formats, disons que ça tient de façon très, très évidente à la problématique du financement du film. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, évidemment, j'ai écrit... le film est produit par Canal+, en France, hein, et ils m'ont donné une sorte de carte blanche. Et très vite dans le processus, je leur ai dit que je ne voyais pas le film en moins de 3 parties. Hein, d'abord, ça devait être une partie d'abord, puis c'est devenu 2, puis c'est devenu 3. Et ils m'ont suivi donc sur un film qui avait duré sans doute quelque chose comme 5h30. Et pour moi, le type de budget dont je disposais, qui était peu de choses, mais qui était beaucoup quand même, enfin, peu de choses par rapport à l'ampleur de ce qu'il y avait à faire, et me permettait de travailler dans des conditions de cinéma au meilleur sens du terme. Et donc, j'ai décidé, à un moment donné, avec la complicité de Canal+, de décider que ce serait un film de 5h30, qui, par ailleurs, serait diffusé en 3 parties à la télévision. El tema del doble formato de Carlos viene marcado por la financiación. Es una producción de Canal Plus en Francia que dio carta blanca y él muy rápidamente les dijo que, bueno, primero iba a ser una parte, luego ya eran dos, luego ya eran tres y se iban a las 5 horas y media. Canal Plus le siguió y él veía que el tipo de presupuesto que tenía, que era poco y mucho a la vez, poco para lo que era y mucho para lo que era, le daba la oportunidad de trabajar en condiciones de cine. Entonces hizo una película de 5 horas y media que luego Canal Plus también difundió por televisión en 3 partes. Donc pour vraiment expliciter les choses le plus clairement possible, à tout point de vue, je faisais un film qui avait une durée irrationnelle, qui dans mon esprit allait être projeté parfois dans des festivals de cinéma, mais pas tellement au-delà, en étant financé donc par la télévision qui aurait en France l'exclusivité ou la priorité de la diffusion. Mais simultanément, j'étais aussi conscient qu'il y avait tout le reste du monde et que donc le film pourrait vivre dans le reste du monde comme un film de cinéma, mais simplement disons que pour faire financer cette diffusion-là, j'avais la contrainte de produire une version, de fabriquer une version réduite qui pourrait être montrée, on va dire, dans les multiplexes dans le monde entier. Bueno, y entonces se lanzó a hacer la película, esta película que tiene una duración irracional y que lógicamente su vida sería pues para festivales y poco más, financiada por una televisión francesa que guardaría la exclusiva de programación en Francia. Al mismo tiempo le hubiera consciente de que estaba el resto del mundo y que ahí su única
existencia podría ser como película de cine, entonces él mismo se dio la obligación propia de hacer una versión más reducida para entendernos que pueda pasar en los multiplex, en los complejos de todo el mundo. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui était un peu comme ça. Néanmoins, un imprévu qui est qu'on a commencé à montrer la version intégrale de 5h30 et que les réactions de nos premiers spectateurs, c'était que non seulement ils ne s'ennuyaient pas pendant ces 5h30, mais qu'ils en redemandaient plutôt à la fin. Y empezó a pasar una cosa que fue genial, y al mismo tiempo mi entrevista es que cuando empezaron a enseñar esta película, la versión larga, la versión enorme, los primeros espectadores no solo no se aburrían, sino que parecía que pedían más. Et donc l'un de ses premiers spectateurs était Thierry Frémaux au Festival de Cannes, qui a montré le film dans son intégralité. Donc du coup, le film a eu de façon symbolique, disons, cette première présentation qu'il avait existé dans sa version intégrale, complète, telle qu'il a toujours dû être. Y entre los primeros espectadores estaba Thierry Frémaux, que le abrió las puertas de Cannes con una programación de la película en esta versión larga, íntegra, que era la que él quería, y le dio así carta de existencia a esta versión que era el final cut del autor. Y el succès de cette version intégrale a Cannes a fait que le film a eu une vie internationale dans sa version complète. Hein. Et que la version resserrée, réduite du film a eu une existence plus marginale et d'une certaine façon tendue. Et este éxito en Cannes, pues, le dio vida internacional à la version larga, et paradoxalement, la version corta a tenido une existencia mucho más marginal et mejor así. En la película Breve nos cuenta la historia de una generación muy en particular, que es la de los años 70. ¿Por qué esa generación? ¿Por qué no la de otras décadas? ¿Qué en particular tuvo y qué fuerza todavía se sigue recordando de esa generación de los años 70? Sí, no, yo digo que pourquoi tú te sentes sur cette. ¿Qué es que la generación de los años 70 es original par rapport a otro? Bah, disons ce qu'elle a d'original en particulier, c'est que c'est la mienne. Donc c'est celle que je peux raconter de la façon la plus véridique, la plus juste, la plus précise, parce qu'elle existe toujours en moi. Donc c'est des repères que je n'ai pas, que je n'aurais pas si je racontais l'histoire d'une autre génération, parce qu'on parle de choses très fragiles, très subjectives. Ce qui évidemment rend ce moment-là historique très particulier, bah, d'abord, c'est qu'il n'a pas été beaucoup représenté au cinéma, voire pas du tout. Donc c'est une sorte de point aveugle, hein, dans l'inconscient collectif aujourd'hui. Et que c'était une période exceptionnelle parce que c'était une période de liberté incroyable. Parce que mai 68, les révolutions, les mouvements de la fin des années 60 dans le monde entier ont produit ce rejet de la société, cette remise en cause de toutes ces valeurs, hein, il restait à vivre ces convictions-là. Et c'était un peu cette génération-là qui les a vécues. Bueno, lo que tiene de original y de importante esta generación es que es la suya. Es, por eso es la que puede contar de manera más verídica y de manera más precisa, porque sí, existiendo dentro de son vivencias frágiles, son vivencias muy, muy subjetivas. Ahora bien, este momento histórico lo que también tiene es que no ha sido muy representado en el cine, prácticamente nada. Sigue siendo un punto ciego, como dice, dentro del inconsciente colectivo. Sí tenía algo excepcional este momento, y era la enorme libertad que existió. Ahí está mayo del 68, es una especie de momento que se contagia a todo el mundo, y luego esa especie de rechazo de la sociedad que se vivió en todo el mundo, tocaba vivirlo después. ¿Qué hacemos después? Y eso es lo que esta película intenta. Et c'est vrai que c'était un moment très particulier pour être jeune, parce que jeune, c'est un moment où on se cherche, où on a des doutes, on n'a pas de certitude. Et c'est à cette époque-là, on n'avait pas grand-chose sur quoi s'appuyer, parce qu'en fait, tout ce qui était socialement...
organisée était inacceptable. Donc on refusait le travail, on refusait une carrière, on refusait les études, on refusait de fonder une famille, enfin, tout ça semblait vraiment appartenir à l'ancien monde. Et donc on était contraint d'inventer nos propres valeurs, nos propres manières de vivre, d'envisager y compris le futur. Donc c'est vrai que c'était une période qui était comme une sorte de laboratoire du monde à venir, avec ses échelles. Ser joven entonces, que es ese momento en el que buscas, pues tenía en particular que no tenías en qué apoyarte, en qué basarte, no tenías puntos de referencia. Todo lo establecido pues, era rechazable, lo eran el hacer estudios, el estudiar, los trabajos, fundar una familia, todo eso pertenecía a un orden antiguo, a un mundo antiguo. Entonces, a la hora de crear valores, tenías que crear tus propios valores, crear tu propio modo de vida del futuro, y de alguna manera ese momento se convirtió en una especie de laboratorio de futuro con sus propios fracasos también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Has visto en alguna otra juventud, otras décadas, algo parecido a lo que vivió en su generación? Est-ce que tu as vu dans d'autres générations, dans d'autres endroits, d'autres décennies, quelque chose de semblable à ça? Je crois que toutes les générations ont la possibilité de s'attaquer au monde, enfin, en tout cas de le remettre en question. Il y a cette force collective-là dans la rébellion de Genève. La jeunesse, elle est toujours, d'une manière ou d'une autre, révoltée, hein, de façon plus ou moins articulée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouveau une sorte de foi, chez certains, dans la possibilité d'avoir un effet, quoi, enfin, sur le monde, sur la société, collectivement. Mais enfin, avec une différence fondamentale, profonde, qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut améliorer le monde. Mais améliorer le monde, ça veut dire aussi approuver le monde. Qui était quelque chose qui était évidemment impossible dans les années 70. Dans les années 70, il y avait l'approbation du monde qui est inimaginable. Toutes les générations ont la possibilité, la capacité de mettre en entredicho lo existente, ¿no? la sociedad existente. Quizás se ve que ahora los jóvenes ven un renacer, una especie de fe en ese influir en el mundo, ¿no? En la marcha del mundo, pero quizás lo ven más como que creen que se puede mejorar, lo cual implica aprobar lo existente, algo que era inimaginable en los años 70, porque lo existente no se podía aprobar. Hola, sí. Bueno, mi película favorita es un cortometraje que hizo, que está en la serie Clarice Zen. Entonces, como el cortometraje es un formato, un género muy relacionado con la juventud, a mí me gustaría saber cuál es mi experiencia con cortos y si ha hecho más, porque es bellísimo. Bon, le film qu'elle préfère de toi et de toute ta filmo, c'est le cours de Clarice Zen. Et donc, tu le trouves extrêmement beau et il voudrait connaître ton rapport avec les courts-métrages. Qu'est-ce que tu gardes de l'expérience avec les courts-métrages? Pour être complètement franc, j'en garde un sentiment de frustration épouvantable. C'est dans le sens où c'était l'occasion de travailler avec une comédienne que j'aime vraiment beaucoup, qui est Maggie Gyllenhaal. Et donc, au fond, j'ai eu le sentiment de mettre en place quelque chose, de construire quelque chose. On a tourné 2 jours et c'était fini, ou 3 jours, c'était fini. Donc, au fond, j'aurais aimé pouvoir prolonger ce film, lui donner une résonance, en faire quelque chose où le travail qu'on faisait ensemble se déployait. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas d'ailleurs, qui ne figure pas dans sa version intégrale dans le film Paris Je t'aime, parce qu'en réalité, j'ai été obligé de le réduire, condenser encore pour qu'il puisse s'intégrer dans le film. Et donc, il y a une version complète qui existe dans le DVD français du film Clean en bonus. Tu incites à la chaîne.
Estoy un poco a la sortie. Bueno, pues para ser franco contigo, esa película representó una frustración horrible. Porque me dio la ocasión de trabajar con una actriz magnífica que es Maggie Wilhelm. Hice un trabajo estupendo, pero que en dos o tres días estaba liquidado. Y se acabó y se quedó con las ganas. Quería más. Por otro lado, esta, la película que tú conoces no es la versión íntegra. Para integrarlo en, la, en el colectivo tuvo que cortar y tuvo que condensar mucho la película. La versión íntegra figura como suplemento en el DVD de Clint, que te invita a comprar, está a la venta de la salida. Bueno, más bien que esté importante es que si ha hecho que ya tenía un poco de base, que ha pasado un poco de crítica de cinema, que aparece en el fondo de un film, se ha esta fuente de la excepción que confirma la regla. Y de otra parte, tú changes completamente de film a film. On ne peut pas dire que tú te sois installé dans la bonhomie ou dans la facilité de refaire toujours les mêmes films d'une façon différente. Et donc à partir de là, la question toute bête, qu'est-ce que tu prépares, vers où tu vas aller maintenant? Oui. Disons que moi je me suis dit aussi. No, digo que hay algo que admiro mucho en él y es primero que eso de que los críticos luego se pongan a hacer cine y buen cine no será y es la excepción que confirma la regla, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, admiro mucho en él el hecho de que no se está en la facilidad de hacer siempre la misma película, sino que asume el riesgo de empezar de cero y hacer una película totalmente diferente cada vez. Es lo que me hace esperar que va a hacer Olivier la siguiente, porque sé, no sé si me va a gustar, pero sé que me va a sorprender. Y por eso de ahí le pregunto qué está preparando, a dónde nos vas a llevar ahora. Disons que d'abord, moi je ne me suis jamais vraiment considéré comme un critique de cinéma, c'est-à-dire que j'ai fait en même temps que Charles, au cahier du cinéma, beaucoup de journalisme de cinéma, beaucoup disons aussi d'écriture sur le cinéma au sens le plus large du terme, c'est-à-dire des essais sur les cinéastes, etc. Et j'ai aussi par ailleurs fait de la critique, mais disons que je ne me suis jamais identifié à la position critique, quoi. Voilà, c'était bon pour moi, c'était un détour. Dans mon travail de cinéaste qui avait déjà commencé, c'est-à-dire que j'avais déjà fait les courts-métrages avant, j'ai continué à en faire pendant, et pendant la période où j'écrivais pour les cahiers, je gagnais ma vie, en écrivant des scénarios. Donc pour moi c'était constamment une sorte d'aller-retour entre la théorie et la pratique. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, ça tenait à l'identité de la revue pour laquelle je l'ai fait, c'est-à-dire que les cahiers du cinéma, à cette époque-là, aujourd'hui ça a bien changé, étaient déterminés par ce rapport entre cette circulation, entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que c'est un journal qui était fait par des jeunes gens, des gens plus ou moins jeunes, assez jeunes quand même, qui voulaient faire des films, qui voulaient devenir cinéastes, qui étaient de passage dans cette revue. Bueno, primero dice que no se identifica con como crítico, que él, lo que ha practicado es sobre todo periodismo o escritura de cine. Él ya era cineasta antes de escribir en Calle del Cinema, lo fue porque había hecho cortometrajes, los hizo mientras estaba en Calle del Cinema y se ganaba también la vida escribiendo guiones. Él se identifica con lo que era entonces la identidad de la revista, que era una especie de lugar de paso y de ida y vuelta entre lo que era la escritura y la práctica del cine. Algo que ahora cambia bastante. Disons que, avant moi, dans le cinéma français, il y avait littéralement une majorité de cinéastes qui venaient de la critique ou de l'écriture sur le cinéma. On pouvait presque les prendre tous un par un. C'était quelque chose qui était très présent en fait dans ce qui a été le cinéma d'auteur français, pas forcément dans l'industrie, mais aussi dans l'industrie d'ailleurs, bizarrement. Donc j'ai plutôt le sentiment de ne pas être une exception, mais plutôt d'être l'un des derniers, enfin, à avoir vraiment suivi ce chemin-là, quoi. Qui est un chemin qui aujourd'hui semble moins désirable, parce que les jeunes gens qui écrivent sur la critique aujourd'hui s'identifient à la position critique, ce qui pour moi est quelque chose qui
qui est énigmatique, en tout cas qui change de façon littéralement métaphysique quoi, la nature de l'écriture sur le cinéma, en particulier au cahier. Antes considera que la mayoría de los cineastas venían de la crítica, al menos en Francia, tanto del cine de autor como del cine industrial, ¿no? En ese sentido no se considera una excepción, sino más bien uno de los últimos en haber seguido esa tradición, porque ahora efectivamente la gente que practica la crítica, los jóvenes que practican la crítica, se identifican con ese papel de críticos, cosa que para él, por decirlo rápidamente, es un misterio, vamos. Et pour moi, c'est comme ça, cette diversité de mon cinéma, c'est souvent perçu comme ça, mais au fond, moi, je ne l'aperçois pas du tout. J'ai au contraire un sentiment d'homogénéité, mais qui tient à la façon dont je conçois le cinéma. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma n'est pas un petit théâtre où se joue la reproduction humaine, comme chez des chimistes. Que j'admire par ailleurs, hein, mais qui d'une certaine façon construisent leur système et ensuite le reproduisent des variations. Pour moi, le cinéma, c'est l'inverse de ça. Pour moi, le cinéma, c'est un outil d'exploration du monde exploration, ça veut dire visiter des territoires qu'on ne connaît pas. Ça veut dire se mettre en question, se mettre en jeu, et j'ai l'impression que ça tient au fait. Que moi, ma pratique du cinéma, elle doit passer de façon littéralement obligatoire par la peur, quoi. Par la peur de ne pas savoir le faire, par la peur de ne pas trouver la bonne solution, mais d'avoir au résultat la satisfaction, le sentiment, enfin, etc., d'avoir ouvert quelque chose, d'avoir ouvert un territoire, d'avoir. Là où. Disons que chez certains cinéastes, le rapport à l'œuvre, le rapport à la qualité, est un rapport linéaire, hein, comme ça on avance de A, B, C, D. J'ai une conception qui est plus cubiste, disons, d'une œuvre de cinéma, qui serait dont l'objet ne serait pas l'œuvre, mais dont l'objet serait le monde. Et il y a au centre, il y a le monde, et autour, il y a l'œuvre, c'est-à-dire le travail qu'on fait qui nous oblige, film après film, à regarder la même chose, mais selon des perspectives différentes, et qui se complètent. Et pour moi, il n'y a pas la chose avec laquelle je tiens, qui est au fond, pour moi, précieuse dans ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est justement cette problématique de la cohabitation des choses, quoi. C'est-à-dire que quand je fais un film, comme pour prendre deux extraits, enfin, qui ne le sont pas du tout, un film comme Demon Lover, qui est un film qui se passe à la fois dans la finance et dans le monde imaginaire, compris l'imaginaire érotique, quoi, contemporain d'une part, et L'heure d'été, qui est un film sur la transmission d'une génération à l'autre des objets et des valeurs, ces deux films ont lieu dans le même monde, au même moment. Absolument au même moment. Et d'une certaine façon, ce que je fais est de mettre ces deux choses-là en contact, à travers une œuvre où justement ce qui m'intéresse, ce qui a un prix pour moi dans le travail que je fais, c'est justement cette communication entre les films que je fais, que je ferai. Él la diversidad que mucha gente señala en su obra, en su cine, no la percibe como tal. Él ve una homogeneidad, porque él viene del hecho de cómo concibe el cine, ¿no? Para él el cine no es un teatrito en el que creas un sistema y luego reproduces todo, siempre lo mismo con pequeñas variaciones, como hacen los cineastas, que respeta profundamente. Para él el cine es una herramienta que le permite explorar el mundo, cuestionarse a sí mismo. Él no concibe el cine en el que él mismo no siente miedo, el miedo de lo que está haciendo, si va a ser capaz de hacerlo, de encontrar soluciones, y luego se ve esa satisfacción que puede producir el ver que ha podido abrir a nuevos territorios, ¿no? Encontrar nuevos territorios. Algunos cineastas tienen una manera de avanzar que es lineal, ¿no? La suya la definiría más como cubista. Para él, el objeto no es la obra,
sino el mundo, y la obra estaría alrededor de ese mundo que él intenta ver desde ópticas cada vez diferentes unas de otras. Las cosas y luego todas cohabitan, ¿no? Todas esas maneras cohabitan. Da como ejemplo dos películas suyas, en principio muy diferentes, de Demon Lover, Mundo de las finanzas, el mundo imaginario, incluso imaginario erótico, o La hora de verano, Blanc de té. Pues las dos transcurren en el mismo mundo, en el mismo tiempo, y su obligación, y su aspiración como cineasta es imaginar comunicación, puentes que les permitan encontrarse en una película con otra y darle esa lo que decía antes, homogeneidad. ¿Qué aporta? Quisiera saber, volver un poco a la mezcla de crítico o periodista con la directora y guionista, y quiero saber qué consideras que aporta un crítico a un director, o sea, a ti mismo como director, y a la empresa. ¿Qué puede aportar un guionista director a alguien que hace periodismo o crítica? Oui, c'est-à-dire qu'il va bien sur ton mélange de critique au journaliste du cinéma et à la fois à cinéaste. Qu'est-ce que ces deux rôles apportent l'un à l'autre? Qu'est-ce qui t'apporte le fait d'avoir été ou d'être aussi dans l'écriture journalistique à la fois cinéaste et vice-versa? Disons qu'on parle d'événements qui ont eu lieu il y a fort longtemps. Donc il faut que je me remette dans le contexte, mais disons que pour moi, cette période-là, qui est vraiment entre 1980 et 1985, c'est une période d'apprentissage. C'est une période, pour moi, c'est comme aller à l'école. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Moi, l'école de cinéma, ça a été d'écrire sur le cinéma, au cahier du cinéma. Esto remonta ya es hace mucho tiempo, cuando él compaginaba las dos cosas. Estamos hablando de los años 80 a 1985. Para él fue un periodo de aprendizaje, de escuela. Él no fue a una escuela de cine. Su escuela de cine fue realmente escribir que hay en el cinema. Disons que je pense que l'écriture, c'est toujours un processus de dévoilement du monde, enfin, de découverte de soi. C'est-à-dire que quand on écrit, on ne sait pas ce qu'on va écrire. On découvre ce qu'on va écrire, et ce qu'on va écrire, ce qu'on écrit, en particulier quand on réfléchit sur un art, révèle des choses qu'on ne savait pas qu'on pensait. Donc, pour moi, ce travail de compréhension du cinéma passait par à la fois la critique, par l'écriture, l'écriture de scénario, et par une sorte de réflexion autocritique sur cette pratique. L'idée, le désir de mettre en phase ce que je faisais avec les idées que j'essayais de développer dans mon rapport au cinéma. On parle de la Frémex, un film qui parle des années 70, mais au fond c'est une idée qui vient de là, c'est-à-dire l'idée de mettre en pratique ces idées où il n'y aurait pas de différence entre ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on pense et la façon dont on agit. C'est ce qui détermine les années 70 et qui aujourd'hui a perdu beaucoup de valeur. Et donc c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez troublant à observer aujourd'hui. La escritura es por definición un descubrimiento del mundo y también descubrirse a uno mismo, ¿no? Cuando uno está en este proceso no sabe hacia dónde te va a llevar, te va a revelar cosas que no sabías, ¿no? El hecho para escribir comportaba también una componente de autocrítica sobre su propia praxis de la escritura y de cómo llevar esas ideas que él de alguna manera desarrollaba, llevarlas a la práctica del cine, esa cosa de ser capaz de hacer de manera igual como eres, ¿no? De reflejar en tu práctica la manera que tú eres, cosa que siempre es complicado y que hoy en día cree que está muy alejado lo uno de lo otro, las ideas de lo que es la práctica. Muy bien, damos por terminada la sesión de presentación expuesta. Muchísimas gracias por su atención.